All right, donc on est le 17 avril, lundi le 17 avril, puis c'est ça, j'ai aucune nouvelle de quoi que ce soit. Vous avez vu tous les avis que je leur ai envoyés. Vous avez... j'ai tout publié ça dans le groupe, fait que c'est facile d'aller voir ce que moi, je leur ai envoyé à date. J'imagine qu'ils sont en train d'essayer de fouiller pour trouver des preuves que j'aurais conseillé d'autres personnes à ne pas payer leurs impôts et des preuves qui feraient en sorte que j'ai tenté d'éluder les impôts de Pierre Daou de 2014 et de 2015. C'est assez fantastique parce que ces gens-là, ils ont des lettres de change, tu sais, en leur possession, qui servaient justement à régler ces comptes-là. Ils ont su ça par courrier enregistré. Ils m'ont même appelé un mois et demi plus tard, en juin 2015, pour me demander quoi faire avec ça. Puis je leur ai expliqué quoi faire avec ça. Puis ils m'ont dit, OK, pas de problème, s'il y a d'autres choses, on va vous rappeler. Ils m'ont jamais rappelé, tu sais. Fait que c'est assez spécial, là. Présentement, ces gens-là sont en possession de biens appartenant à trois personnes différentes de façon tout à fait illégale, tout à fait immorale, illicite, illégitime, déraisonnable, excessif. Puis là, ils répondent pas. Là, tu sais, là, moi, j'ai fait des demandes bien spécifiques. J'ai backé ces demandes-là avec des articles de loi. puis ils répondent pas, tout simplement. Tu sais, c'est comme s'il n'y avait plus de sécurité publique au Québec. C'est comme si Martin Coiteux était payé absolument pour rien. Tu sais, parce qu'il n'y en a plus de sécurité publique au Québec. Là. Depuis le 29 mars, on a tous une preuve concrète que ça n'existe pas, la sécurité publique au Québec. Moi, j'ai demandé dès le départ une sécurité pour coup concernant ces attaques-là. Puis, j'ai pas eu de réponse. T'sais. C'est comme si... écoutez, c'est clair, là. On est des esclaves, là. C'est ce qui nous démontre. Clairement, il ne peut pas y avoir de doute, là. Fait que c'est là qu'on est rendu aujourd'hui, le 17 avril. Bonne journée.